magnifique de voir ça. En fait, moi, je me sens très privilégiée d'avoir accès à ça parce que je suis quand même la seule fille sur l'équipe qui voit une gang de gars ensemble. Puis c'est vrai que toutes les qualités que vous définissez, c'est très beau à voir, puis c'est aussi un défi à mettre sur la scène aussi, là, tout ce que vous êtes. C'est ça où je trouve que mon rôle est, à quelque part, de protéger ce que vous êtes. Mm-hmm. Fait que c'est toujours de me ramener, de pas... Ben, de toute façon, dans le processus, j'ai jamais chorégraphié. Sauf une fois que tu l'as essayé. J'ai essayé une fois, puis j'ai quand même dit, OK, non, laisse faire. Ça n'arrivera pas. Parce que je pense que c'est pas par ce chemin-là qu'il faut aller dans ce projet-là, mais c'est vraiment parce que vous générez comme énergie ensemble. Puis c'est ça qui est la beauté de ce projet-là. On sait pas dans quelle zone on n'est pas capable de définir cette affaire-là, on n'est pas capable de dire concrètement c'est quoi, mais... C'est né de soi-même. Ouais. Ce qui est difficile, c'est que, tu sais, on est tous un peu perfectionnistes, là, tu sais, dans notre métier, puis on aime ça, tu sais, performer ou être bon, tu sais, là, c'est ça, là, comme briller, mais là-dedans, on dirait qu'on peut pas être bon ou essayer d'être bon parce que... Faut être ensemble. Ouais. Mais, parce c'est tout, t'sais. Quand ça fonctionne, c'est qu'on accède à des moments de... Bon, OK, là, c'est peut-être un gros mot, mais de vérité, en fait. Oui, c'est un gros mot. C'est un... de vérité corporelle ou de vérité humaine, je sais pas, tu sais, quand on enlève toutes ces idées de jugement, de performance, de tout ça, c'est quand on se connecte au toucher, à la respiration, à la rythmique, tu sais, d'autres manières d'aborder le travail scénique, en fait. Puis, ben après ça, il y a plein d'autres choses, mais pour moi, c'est comme ça qui résonne, tu sais. Puis, déjà, juste depuis le premier laboratoire, là, on parle entre nous autres, là, mais tu sais, juste depuis le premier laboratoire, là, c'est comme... tout le travail qu'ils ont fait, c'est énorme, en fait. Juste d'apprendre, en effet, comme tu disais, à se toucher, à respirer, à sentir la sueur de notre corps, en fait, contre le sien. Déjà, il y a comme une marche énorme qui a été faite, puis ça se ressent dans le travail, tu sais. Fait que déjà, j'ai hâte de voir jusqu'où on va pouvoir aller, tu sais, d'ici 6 mois, à peu près.